quoi? L'ancienne maison? Oui. Quoi? Bah, ils vont voir l'ancienne maison. Bah. Moi, ça me dérange pas, hein. Je viens de conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Mais il est pas bête, écoute. Enfin, je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être? Tu te déconnes? Mais pourquoi, Louis, sérieusement? Pourquoi tu veux retourner là-bas? T'as oublié un truc dans ta chambre, hein? Non, je sais pas, comme ça. Je suis curieux de savoir... Voilà, de revoir les lieux, de voir comment ils ont évolué, comment le temps les a modifiés, malmenés. Ah, elle est même pas en vente, hein. Je crois pas qu'on puisse la visiter. L'autre jour, je suis passée devant parce que j'avais un truc à faire dans le quartier. Elle est totalement abandonnée. Bah, tu veux te retrouver dans cette piole de chiasse pour voir comment le ton a malmené, modifié. T'as pas un plan plus à la mort moelle d'eux pour les faire en famille comme ça, tous ensemble, là? Antoine. Non, mais je dis pas ça pour t'insulter, oui, mais... Non, de toute évidence. Non, je veux dire... On a mis, je sais pas, plus de 20 ans à se barrer de là-bas et toi, tu veux retourner là-bas pour vérifier si le vent a bien déposé les feuilles mortes sur la toiture rouillée en cette magnifique calicule. On s'en branle, là. Je comprends pas le programme, là. Et laisse-le, Antoine, écoute. Il a juste envie d'aller se promener. Je veux dire... Je peux t'accompagner, si tu veux, Louis. C'est pas grave. Non, c'était une mauvaise idée. Bah, évidemment. Moi, j'ai envie d'aller à Auschwitz pour aller me branler dans le sang séché pour écrire un poème. Antoine, ça suffit. Mauvais goût, mauvais goût. Bon, allez. Alors, Louis, ben raconte. Raconte-nous une histoire. Des potins.